quand je vois les hommes de l'opposition à la personne du président Gbagbo, les temps sont mûrs pour faire la paix. Les uniformes, à lui honneur, gloire et puissance, sur la terre et dans les cieux, pour l'éternité. Alléluia. Je voudrais dire merci. Dire merci à tous les évêques qui sont là. Quand je vous vois, comme dirait le vrai Ivoirien, je suis très enjaillé. Merci à tous les prêtres, vous êtes venus très nombreux. Alors que c'est votre temps de vacances. Vous avez voulu être là pour vivre avec moi ce grand moment d'action de grâce. Soyez infiniment remerciés. Je voudrais remercier d'une façon particulière les deux vicaires généraux qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cet événement puisse avoir lieu aujourd'hui. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Je voudrais rendre grâce pour la présence du Forum des confessions religieuses. Eh bien, vous traduisez éloquemment que Dieu est un. Merci de votre présence. Ceux que je vois qui sont devant moi, pour eux, je vais entonner encore la merveille. Merveille, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas. Chantons les merveilles. Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Quand je vous vois assis comme ça, les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire, quand je vois les hommes de l'opposition à la personne du président Gbagbo, Je dis merci et grand merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que vous êtes non pas des ennemis, mais des adversaires politiques. Vous cherchez chacun le bien du pays. Veuillez transmettre au président Alassane que vous représentez tous mes remerciements. Toute ma gratitude, toute ma reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour le pays. Président Gbagbo et toute l'opposition présente, soyez infiniment remerciés d'être là. Eh bien, comme je l'ai dit, je le redis, les temps sont mûrs.
Les temps sont mûrs pour aller à la réconciliation. Les temps sont mûrs pour faire la paix. Les temps sont mûrs pour que tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Les temps sont mûrs. Ne perdez plus le temps dans les palabres inutiles qui ne conduisent qu'à la désolation. Ô Seigneur, je te les présente tous. Verse dans leur cœur, féconde leur cœur, afin que l'amour vrai du pays naisse en eux et que tous travaillent pour le développement intégral de l'homme ivoirien. Je voudrais dire merci à tous les diplomates qui sont là. Vous m'avez fait l'amitié de participer à cette Eucharistie. Vous ne repartirez pas chez vous sans la grâce de Dieu pour votre mission. Je voudrais dire merci aux religieuses. C'est la période actuelle des différentes retraites. Mais vous avez fait un effort pour être nombreuses à cette messe d'action de grâce. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas. Chantons les merveilles. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin.